Et salut à toutes et à tous, c'est DaCup, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel épisode de Company of Heroes 2. On s'était lâché sur la première mission, on était arrivé bah, juste exactement là en fait, voilà. On devait abattre les mitrailleuses. Donc là, il y a une mitrailleuse et il y a un véhicule blindé. Et là, il y a une mitrailleuse et un véhicule blindé, voilà. Donc c'est parti. On va s'occuper de ces mitrailles, ces mitraillettes. Oui, ces mitraillettes, oui, bien sûr. Les mitrailleuses. Alors voilà, c'est ça. Hop. Donc je peux rappeler des renforts. Donc on va en rappeler de suite. Hop, là. On va en rappeler de suite. Pour être tranquille ou posé. T'en fais pas, toi, on va t'éliminer. T'en fais pas, t'en fais pas. De choc en attente de déploiement. Là j'ai le canon. Canon, je sais pas où je vais le mettre. Je vais le mettre là. Non, pas là. Si là, attends, peut-être là. Ouais, peut-être il y a moyen qu'il va servir à quelque chose. Je sais pas. T'en fais pas, on va les écraser les ennemis. Allez, c'est parti, on se réarme. Et c'est parti, on va attaquer. Donc là, le canon, il attaque, c'est parfait. Voilà. Ah, j'ai vu qu'ils ouvraient le feu sur nous. Hop, allez, c'est parti. Tout le monde se déplace. Et un rang, s'il vous plaît. Pour ce qu'on va faire, c'est qu'on va les flanquer encore une fois. Il y a un canon là-bas. Allez, tout le monde passe au-dessus. Oh le pauvre. Bah le pauvre. En fait, j'ai l'air tout seul, mais en fait, ils sont censés être 4. J'étais censé pouvoir prendre la MG42, mais il a l'air qu'il veut pas trop. Les pauvres, ils sont en train de tous mourir. Ah, une MG42. Ouais, mais là, je vais me faire dépiter personne là. Voilà. Alors, continuons. Donc eux ils se font défoncer, c'est bon ça. Donc là, hop, un canon en moins. Voilà. Donc là, je sais pas si le véhicule blindé il est détruit, toujours pas. Donc toi, tu vas venir et tu vas te mettre là. Et tu vas détruire ce vieux blindé. Donc tu passes pas devant, merci, c'est gentil. Allez, plus vite que ça. Et au pas de course. Oh le petit saloperie. Le petit saloperie. Oui. Voilà. Donc là c'est la garde. Et toi tu vas éviter de tirer sur n'importe qui. Tu tires sur lui. Tout du moins pour que les autres peuvent passer. Bon, louche pas, hein. Il va refaire le terrain autour. Non plus. Mais presque. Ah, voilà. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Non, pas là en fait. On peut se placer là. Ouh là, ils vont douiller les bonhommes. Il y a où le canon? Bah non, vous savez quoi les gars? Hop,
Allez, Oust. C'est lui qui va s'en occuper. Voilà. Non, mais t'es ouf, toi. Hop. Il y a une section qui prend. Qui prend ça. Boum. On va garder des gens pour ce qu'un moment quand même. Allez, tuons les eux au moins. Tout du moins. Comment ils se déplacent en groupe les mecs. Hop, et voilà, on va tuer eux. C'est des malades. Allez, plus vite! En avant, camarades! Chassons-les de notre ville! Voilà! Allez! Tire dessus, détruis-le! Ah bah voilà, ça qui est bon. Là normalement ils vont tous se barrer, voilà. Là ils ont trop peur, là ils font ah. Oh mon dieu, ils ont détruit notre Panzer. Ça y est, les Allemands commencent à faiblir. Ça leur Panzer, ils sont rien les cocos hein. Ouh, ça fume. Ça fume un peu de partout hein. Oh putain, le pauvre, il aurait pas dû se lever. Bon, perso, je resterais caché là, mais en position fétale. Je crois qu'il est mort, mais je suis pas sûr. Ouh, cette jeune femme, c'est Anya Zelensky. Allez hop, une de fête. Wesh, ouais. Stalingrad. Ouais, Stalingrad, ouais. Je me souviens. Ces Allemands ont voulu se rendre. Ce jour a été une glorieuse victoire pour nous. Glorieuse. Dites-moi, camarade. Quand avez-vous commencé à ne plus croire en la cause? Quand je vous ai rencontré, vous aviez pourtant la foi. En mes hommes. En ces hommes. J'ai toujours cru en eux. Allez, c'est parti. Là, ça va être chaud. Là. Allez, on va voir ce que ça donne. Colonel Tchourkine du NKVD. Oui, bonjour. Borodine a été écarté pour incompétence et j'ai pris le commandement. Camarades, les fascistes seront bientôt là. Notre ligne de front diminue encore. Et nous n'avons plus les ressources pour contenir les Allemands. Mais monsieur, nous devons les ralentir. Les civils ont besoin de temps pour s'enfuir. Lieutenant Isakovitch, Lev Abramovitch, camarade colonel. Oui, lieutenant, nous devons gagner du temps. Pour tous les civils, mais aussi pour Moscou. Nous devons aussi empêcher les Allemands de prendre nos ressources. Tout ce qui ne sera pas chargé dans ce train doit être détruit. Donc voilà, donc comme vous avez vu, le but de cette mission, c'est bien sûr de bah, de ralentir les Allemands.
En attendant que bah, que tout ce, tous ces gens partent. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Camarade lieutenant Isakovitch, pendant que nos hommes continuent de charger le train, votre unité sera chargée d'évacuer et de détruire l'intégralité du matériel militaire restant. Oui. D'abord, contenez l'ennemi sur la ligne de front pendant que nos camions de ravitaillement évacuent. Ensuite, attirez les fascistes en ville, où nos soldats du génie ont placé des explosifs. Détruisez tout ce qui pourrait être utile aux Allemands. Et repliez-vous vers le dépôt ferroviaire pour protéger le train jusqu'à son départ. Le train parti, rendez-vous au point de ralliement de l'autre côté du pont. Lieutenant Isakovitch, êtes-vous prêt à exécuter les ordres? Bah oui, toujours. Rodina, toujours prêt, moi. Mère patrie. Les forces allemandes approchent. Renforcez la ligne de front. Fusiliers prêts. Arrêtez de regarder ce truc et ramassez-le. On va prendre des munitions, c'est quoi ça? Ouais. Pour regarnir les rangs de nos troupes de choc sur le front. Alors... Hop. Ouais. Et l'autre, allez. Allez là. Hop, voilà, on va les aider, les pauvres cocos, parce qu'ils ont besoin d'aide, à ce que je vois. Allez, plus vite que ça. Voilà. C'est ça qui est bon. Là, on doit empêcher les Allemands d'avancer. Bon, ça c'est simple. Ok. Ah, j'ai des nouvelles troupes de choc en fait. Allez, ça va pour l'instant, ça gère. Alors, pour l'instant, bah pour l'instant, on tient bon. Ah, voilà, comme il dit. Hop, une là. Allez, plus vite, là. Vous êtes lent, les gars. Ah. Souci technique. Allez, soignez-les. Bah, soignez-les. Aidez-les. Allez, hop. Ah, les mecs, ils viennent du côté, ces enfoirés, en fait. Bon, pas de problème, moi j'en profite. Eh ben. Ils essaient de nous flanquer. On ne peut plus tenir cette position. Retour au camion. Quoi, on doit aller où? Ouais. Organiser des positions défensives et protéger ce ravitaillement. Allez, hop. Voilà. Hop là. Hop là. Hop là.
Bah, y'a encore eux, c'est vrai. Hop, voilà. On va appeler des renforts là. Non, mais bougez pas, restez ici. Ils font quoi là? Ça va les gars, tranquille, posé. Il est bien de bouger comme ça. Ils sont sérieux, ils bougent comme ils veulent en fait. Ça c'est ces enfoirés en fait qui commencent à venir et tout par derrière, c'est ça. Oui. Le matériel militaire crucial n'a pas pu être évacué à temps. Ordonnez à nos soldats du génie de le barder d'explosifs et de le faire sauter avant que les Allemands nous repoussent. On va tout faire péter. Encore une fois, que les Russes tout pètent. Alors, il y a cela. Pourrait nous servir à repousser les Allemands, voire à faciliter l'évacuation. C'est des saloperies, hein. On ne peut pas risquer de laisser ce matériel aux Allemands. Détruisez-le tout de suite. Ah, mais c'est dégueulasse, on pourrait s'en servir, moi, de petits saloperies. Moi, de bombes de petits saloperies, oui. Hop. Hop, et un truc en moins. Yep, et un autre truc en moins. Nous avons empêché les Allemands de s'emparer de notre matériel. Voilà. Monsieur, ils utilisent des véhicules. On a une surprise spéciale pour ces chiens d'Allemands. Arrêtez les monsieur, nos troupes. On n'a plus le temps. Faites tout sauter. Un homme à terre. Là, ça continue, les pertes continuent. Un moment, mais ils n'abandonneront pas si facilement. Dans une autre section. Cette ville tombera peut-être aux mains des fascistes, mais tout ce qu'il restera, ce sera des ruines fumées. Oh les fous. On attend. Repliez-vous vers le dépôt. Mais casse-toi, je dois soigner mes gars. M'en fout ça. Nous allons réduire cette ville en cendres. Quoi, je dois faire quoi, merde? Équiper ce bot de génie dans ce film, voilà. C'est ça qu'il faut faire. QG est toujours opérationnel. Profitez-en pour demander plus de recrues et de soldats du génie. Hop, voilà. Hop, donc là c'est bon, donc là ils vont les tenir encore un peu. Oui, je sais, j'ai vu. C'est gentil de leur part. C'est tellement salaud. Bon, allez plus vite, les gars. Ordonnez à vos hommes de mettre le feu aux maisons, puis de brûler les champs des environs. Ne laissez rien aux Allemands. Ouais. On a exterminé un groupe ennemi. Soldats du génie, prêt. Alors, les baraques qu'il faut faire cramer, c'est celle-là. Et là, il y en a pas devant, il y a celle-là. Allez, un peu vite. Ouais, c'est en train de crever. Eux. Allez, recharge, recharge, recharge. Il y a 4 maisons, ouais. Cible neutralisée. L'ennemi nous a trouvés. Hop. L'autre il est où? Voilà. Soldats du génie en attente. Voilà. Les Allemands avancent à travers les champs. Oui, je sais, j'ai vu. Brûlez les champs avant qu'ils ne les traversent. Hop. Et toi tu brûles. Brûlez les champs d'essence. Attention, camarades. Et toi tu vas brûler ça, voilà, c'est parti, allez. Empêcher les Allemands d'avancer. Brûlez les champs, vite. Ils brûlent tous.
chaud. Les Boches vont regretter d'avoir mis le pied sur le territoire soviétique. Ah, le temps est écoulé. Donc voilà, donc l'épisode est fini. L'épisode 2 est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc là, on va replier. Hop, on va replier tout le monde. Merde. Donc toi, tu te replies. Toi aussi. Et donc, je disais, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et donc, à la prochaine, pour la prochaine vidéo, tout simplement. Voilà. Salut tout le monde, à la prochaine. Ciao.